Nécrologie, il faut préciser que la levée de corps du directeur général du port autonome de Douala a eu lieu ce jour du côté de Paris. Plus de précisions avec Yvonne Katiken et Eric Kouachou. Paris, cette mi-journée, nous sommes à l'église protestante Unie de l'Étoile, sise à l'avenue de la Grande Armée en France. Un culte en hommage à l'ancien directeur du port autonome de Douala a été dit ce jeudi par le pasteur de la dite église. Prédication, chant, louange et surtout prière pour le repos d'Emmanuel Etoundi Oyono. Le culte d'action de grâce qui s'est tenu quelques heures après la levée du corps de l'ancien directeur du port de Douala a eu lieu aux premières heures de la matinée en France. Quelques personnalités sont venues partager la douleur de la famille, partager les moments de prière dites à l'honneur du défunt, parmi lesquels l'ambassadeur du Cameroun en France, Samuel Vondo Ayolo. Les membres de la famille étaient présents, quelques amis et connaissances. Le corps de l'ancien directeur du port autonome de Douala, Emmanuel Etoundi Oyono, est en route pour le Cameroun. Reviendront.